Village d'Apron de la 6e année primaire au groupe scolaire Jean Jaurès. Venez, suivez-moi, je vais vous faire montrer le laboratoire de Notre-Dame où mes camarades et moi allons vous présenter une activité d'éveil scientifique. Un circuit électrique doit contenir une source d'énergie, des fils de connexion, un récepteur et un interrupteur. Cette source d'énergie peut être une pile plate, une pile cylindrique, une cellule solaire, comme elle peut être un générateur. L'ampoule qui transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Le moteur électrique transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Les fils souples de différentes couleurs, rouge et noir, sont protégés par une clé. Ces fils transportent de l'énergie du générateur vers le récepteur. Yacine et Nabou. Attention, n'oublions pas l'interrupteur. Il se présente sous plusieurs formes. L'interrupteur ordinaire, l'interrupteur à bouton et l'interrupteur à l'anneau. Amine et Gisèle. Alors, maintenant, passons à la réalisation du montage. On commence par le générateur sous la position arrêt. Je commence par brancher le fil électrique du générateur vers l'ampoule. Je sors de l'ampoule vers le moteur. Et puis je sors du moteur vers l'interrupteur. Je sors de l'interrupteur vers le générateur. Vous voyez, j'ai construit un circuit électrique qui se compose de l'ampoule, le moteur, l'interrupteur et le générateur et les fils de connexion. Ces éléments sont montés en série. Je mets le générateur sur la position marche. Vous voyez? Puis, je ferme l'interrupteur. Vous voyez? L'ampoule s'allume. Et le moteur tourne. Vous voyez mes camarades? Il est marqué ici 3, 4, 6 volts. C'est du voltage. Je suis sur 9 volts. Je ferme le circuit. Le moteur tourne. L'ampoule s'allume.